En 2024, j'aimerais me faire violence et acheter moins de livres numériques. C'est tellement facile d'acheter plein d'e-books quand on a une liseuse. J'ai maintenant une bibliothèque numérique énorme. Donc en 2024, l'objectif est d'acheter moins d'e-books et de lire ceux que j'ai déjà achetés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme le titre de cette vidéo l'indique, aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes dernières lectures qui sont aussi mes premières lectures de 2024. J'ai commencé l'année en lisant le livre Redemptor de Jordan Ifueko qui est le deuxième et dernier tome de sa série Ray Bearer qui est connu en français sous le titre Les 12 d'Aretsar. J'ai lu le tome 1 il y a quelques mois, d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo à ce moment-là. Bien que j'ai apprécié l'histoire, quelques éléments dans le livre m'ont fait hésiter à acheter le tome 2. Mais finalement, la curiosité a eu raison de moi et j'ai finalement décidé de continuer de terminer cette série. Alors Redemptor se passe seulement quelques mois après la fin des événements de Ray Bearer, donc le premier tome de cette duologie. Sans trop vous spoiler, Tarissa est le personnage principal et maintenant à la tête de l'empire d'Aretsar en compagnie de Dayo, le fils de l'ancien empereur. Il va bientôt être temps pour Tarissa d'être couronnée, mais avant ça, elle doit faire face à une dernière épreuve. Car en effet, à la fin du premier tome, elle a promis aux démons de l'Underworld de traverser l'Underworld afin de rompre un pacte qui existe entre ces démons et Aretsar depuis des millénaires. La raison pour laquelle j'ai finalement décidé de lire le deuxième tome de cette série, c'est parce que à la fin du tome 1, j'étais très intéressée par les Rédempteurs et j'étais aussi très intéressée par l'Underworld. Et finalement, je suis très contente d'avoir lu le tome 2. J'ai trouvé que le tome 2 était beaucoup mieux que le tome 1. Plusieurs éléments que j'avais pas trop aimé dans le tome 1 sont quasiment absents du tome 2 et quand ils sont présents, ils sont beaucoup moins dérangeants. Le style d'écriture de ce deuxième tome m'a aussi paru beaucoup plus élaboré, beaucoup plus travaillé que dans le tome 1. Dans le tome 1, j'ai été très embêtée par la structure de l'histoire parce que je trouvais que le roman s'attardait sur des événements pas très importants, délaissant d'autres événements qui selon moi étaient cruciaux. Dans ce tome 2, c'est pas le cas du tout. Tous les chapitres et toutes les scènes servent à illustrer le conflit intérieur de Tarissae. Tarissae est maintenant presque impératrice d'Aretsar. Elle est confrontée à l'injustice qui existe dans son empire. Bien sûr, elle veut changer les choses, elle veut faire le bien, mais elle est aussi écrasée par la culpabilité d'avoir grandi dans la richesse et l'opulence, alors que tant de gens ont souffert pour qu'elle et les autres nobles d'Aretsar puissent vivre confortablement. Donc durant tout le roman, elle doit comprendre comment faire face à cette culpabilité, et je dois dire que c'est l'aspect du tome 2 que j'ai le plus aimé. De nouveaux personnages sont introduits dans ce tome, notamment le personnage de Zuri, qui est vite devenu mon personnage préféré de la série. Donc Zuri, c'est un jeune homme charmeur, à l'apparence frivole, qui cache un deuxième visage de révolutionnaire, sans trop vous spoiler. Sa relation avec Tarissa est super intéressante, surtout lorsqu'on découvre qu'est-ce qu'il lit vraiment et qui est vraiment Zuri. Il y a un petit triangle amoureux, un tout petit peu, mais ça marche, ça passe. Moi, ça ne m'a pas dérangée. De toutes les façons, dans le tome 1, j'étais pas super fan de la relation entre Sanjit et Tarissa parce que je trouvais que c'était pas une relation très intéressante. Dans ce tome 2 aussi, j'ai trouvé cette relation... Sanjit, Kira et Dayo n'ont pas des rôles très importants dans le tome 2, ils sont en fait pas très présents dans l'histoire. Et les autres conseillers de Tarissa sont aussi présents dans ce tome 2 qu'ils l'étaient dans le tome 1, c'est-à-dire pas beaucoup. C'est quelque chose que je trouve très dommage parce que plusieurs fois le livre nous dit que les conseillers de Tarissa sont très importants pour elle, mais ce n'est jamais quelque chose qu'on voit. Mais en même temps, l'absence des conseillers dans le tome 2 ne se fait pas trop ressentir parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le tome 2, et puis le conflit intérieur de Tarissa, donc sa bataille contre sa culpabilité, est tellement prenant que finalement on ne remarque pas trop l'absence des conseillers. En conclusion, ce tome 2 en vaut vraiment la peine et il est beaucoup mieux que le tome 1 selon moi. Cette série ne fait pas partie de mes préférés, et je pense que c'est parce que dans l'ensemble, même s'il y a des événements très importants qui se passent dans ces livres, je n'ai jamais vraiment été inquiète pour Tarissa pendant ma lecture. Mais le monde construit par Jordan Ifueko et la manière qu'il le développe et le présente à travers les dialogues et les événements de l'histoire, c'est juste tellement bien fait. J'ai vraiment hâte en fait de lire les autres histoires que cette autrice va écrire parce que je pense que c'est une autrice à surveiller. Il semblerait aussi qu'elle ait signé avec Netflix, alors j'espère vraiment que ce projet ne va pas être coincé dans l'enfer de la pré-production pour l'éternité parce que c'est une histoire que j'aimerais beaucoup voir adaptée à l'écran. Le deuxième livre que j'ai lu en janvier est Amarante de David M. Snow. Avant de commencer, je dois préciser ici que je connais personnellement David et qu'il m'a demandé de lire et de commenter son livre, mais je ne l'aurais pas lu si
je n'avais pas été intéressée par l'histoire. Alors Amaranth est le premier tome d'une trilogie dystopique qui se passe quasi exclusivement dans un sous-marin. À la suite d'un déluge, toutes les terres de la planète ont été submergées. Les survivants de cette catastrophe se sont réfugiés dans une arche sous-marine où ils habitent depuis plusieurs générations dans l'espoir de pouvoir un jour remonter à la surface et trouver la terre promise. Donc au sein de l'arche, on suit deux personnages, Emily qui travaille dans la prison de l'arche et qui se charge notamment d'interroger les criminels, et Skyler qui est apprenti médecin. Donc Skyler, il enquête sur une maladie mystérieuse qui semble toucher de plus en plus de personnes dans l'arche, le syndrome avec un S majuscule, cause des hallucinations et de la folie avant de pousser les malades à se suicider. Emily, quant à elle, suite à un interrogatoire avec un criminel, découvre que des dissidents, un groupe de terroristes qui vivraient cachés au sein même de l'arche, sont en train de préparer quelque chose de gros. Emily et Skyler vont donc se retrouver mêlés à une tentative de renversement de pouvoir majeur et ils vont devoir faire face à leurs propres démons pour survivre. Amaranth est un roman à l'écriture fluide avec une histoire intrigante. On se retrouve plongé dans une sorte de huis clos post-apocalyptique. Skyler et Emily sont des personnages qui sont intéressants. Ils ont tous les deux fait face à une sorte de drame familial dans leur jeunesse qui a grandement impacté leur manière de voir des choses. Au fur et à mesure du roman, on en apprend plus donc sur ce qu'ils ont vécu et on les accompagne tandis qu'ils font face aux conséquences de ce qu'ils ont vécu. Ils ont donc tous les deux des storylines très prenantes et j'ai bien aimé les suivre dans cette histoire. Les autres personnages de l'histoire sont aussi intéressants. Un personnage que j'ai beaucoup aimé est le personnage de Chris parce qu'il est mêlé, on ne sait trop comment, au drame familial qu'a vécu Skyler. On en apprend plus au fur et à mesure de l'histoire. Mais ce que j'ai aimé avec Chris, c'est que Skyler se méfie beaucoup de lui, alors que Emily lui fait confiance. On a des chapitres du point de vue de Skyler, puis des chapitres du point de vue d'Emily, et c'est super intéressant de voir comment la méfiance de Skyler teinte sa perception de Chris. Donc quand on lit les chapitres du point de vue de Skyler, Chris apparaît comme un personnage super irritant et comme le personnage le moins fiable et le plus douteux du livre. Et quand on lit les chapitres écrits du point de vue d'Emily, Chris apparaît comme une personne assez normal en fait. L'univers d'Amaranth, et par univers je vais ici parler du sous-marin parce que c'est dans le sous-marin que se passe toute l'histoire, est aussi très intéressant. Donc les rangs sociaux dans l'arche ont été construits à partir des rôles qu'ont joué les premières familles qui sont venues habiter dans l'arche. Ainsi, les descendants des familles qui ont sauvé des gens ou piloté l'arche durant ces premières années bénéficient d'un statut plus élevé que les autres familles. Donc ces familles ont droit à plus de nourriture, à des appartements plus spacieux et luxueux. C'est bien sûr un fonctionnement qui est complètement injuste. Tout le monde est jugé en fonction des actions de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et quand il y a injustice, il y a souvent révolte, et c'est finalement ça l'histoire d'Amaranth, une histoire de révolte. Des mystères qui entourent les dissidents, les intentions du parangon qui dirige l'arche, ou encore les pouvoirs d'Emily, parce que Emily est capable de percevoir les auras des gens. Tous ces mystères-là sont super intéressants, quoique parfois je dois admettre que j'ai eu du mal à suivre ce qui se passait dans l'histoire. Bref, je dirais que c'est une histoire qui plaira peut-être aux fans de romans post-apocalyptiques. C'est de la science-fiction ocean punk, comme on n'a pas l'habitude d'en voir. En janvier, j'ai aussi enfin lu le roman Delicious Monsters de Lizelle Sunbury, un roman qui se trouvait dans ma pile numérique depuis une éternité, en fait depuis la sortie du livre. En toute honnêteté, ce livre est le livre que j'ai le plus aimé en janvier. Pourtant, c'est de l'horreur et je n'ai pas l'habitude de lire de l'horreur. C'est pas un genre que j'affectionne beaucoup parce que j'ai toujours beaucoup de mal à lire des scènes un peu dégoûtantes et des scènes de torture. C'est vraiment pas pour moi. Mais étrangement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors Delicious Monsters est un roman qui raconte l'histoire de Daisy, une adolescente de 16 ans qui est capable de voir les esprits. Un jour, sa mère lui annonce qu'elle a hérité d'un manoir situé à Timmins, une toute petite ville dans la campagne ontarienne. Daisy et sa mère quittent Toronto où elles habitent pour aller vivre près de ce manoir. La mère de Daisy aimerait transformer le manoir en Airbnb pendant que elle et Daisy vont vivre dans une dépendance à côté du manoir. Sauf que Daisy se rend très vite compte que ce manoir est très bizarre. Les esprits semblent attirés vers le manoir pour des raisons mystérieuses et sa mère refuse catégoriquement qu'elle entre dans le manoir. En essayant d'élucider les mystères qui entourent ce manoir, Daisy se met aussi à déterrer des secrets familiaux qui attendaient depuis bien trop longtemps de remonter à la surface. En parallèle de l'histoire de Daisy, le roman nous raconte aussi l'histoire de Brittany, une jeune femme qui, 10 ans plus tard, se met à enquêter sur le manoir familial de Daisy. Brittany aimerait lancer une série YouTube
YouTube pour parler des jeunes filles noires disparues. En effet, 10 ans plus tôt, une jeune fille noire a disparu dans le manoir de la famille de Daisy. Donc ce roman est vendu comme un croisement entre The Haunting of Hill House et Sadie, et pour avoir vu la série The Haunting of Hill House, je dirais que c'est une très juste comparaison. On est dans de l'horreur, mais la véritable horreur est en fait celle qui est reliée à la réalité, à la tragédie familiale qui se superpose à cette simple histoire de maison hantée. Delicious Monsters est un roman qui parle d'abus sexuels, mais aussi et surtout des répercussions du silence des familles lorsque ces abus ont lieu au sein même des familles. C'est un roman qui parle aussi de relations toxiques entre mère et fille et de comment cette toxicité peut s'hériter de génération en génération. Tout est très fluide, très prenant. Par moments, je dois l'admettre, j'ai senti quelques longueurs, mais j'ai eu ce même sentiment lorsque j'ai regardé The Haunting of Hill House. Comme je suis l'autrice sur les réseaux sociaux, je sais que la série a été une grande source d'inspiration pour elle, donc je dirais que ces longueurs sont probablement volontaires, puisque la série elle-même a cette espèce de lenteur. Je ne suis généralement pas super fan d'horreur, et il y a quelques moments dans ce livre qui m'ont rendu un petit peu malade, mais j'adore le fait que l'horreur présente dans ce livre est souvent intrinsèquement liée à l'expérience d'être une femme noire. Par exemple, au début du livre, il y a toute une histoire autour du fait que Daisy a les cheveux défrisés et donc elle a des croûtes sur le crâne. Les personnes qui ont un jour eu les cheveux défrisés savent exactement de quoi je parle. Ce produit est tellement fort et tellement agressif que la plupart d'entre nous qui avons eu les cheveux défrisés, nous avons eu des croûtes sur le crâne parce que le produit nous a littéralement brûlé le cuir chevelu pendant qu'il reposait sur notre tête. Donc Daisy qui a les cheveux défrisés fait face à ses croûtes, elle se gratte constamment le crâne avec une épingle en métal. Ça lui fait super mal, mais elle ne peut pas s'en empêcher parce que son crâne la démange trop. Et dans le roman, l'horreur embarque par-dessus ça. Je ne veux pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais c'est super dégoûtant en fait, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est d'autant plus dégueulasse quand on a soi-même eu ses croûtes. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé Delicious Monsters. Si vous avez aimé la série The Haunting of Hill House sur Netflix, il y a de très fortes chances que vous aimiez aussi ce roman. Le dernier livre que j'ai lu en janvier et dont je voulais vous parler est le recueil de nouvelles Unlocking the Air d'Ursula Le Guin. Des fois je dis Ursula Le Guin, je vais essayer de dire Ursula Le Guin. Donc Unlocking the Air est un recueil paru chez Actu SF en 2022. Ça fait longtemps que je veux lire plus d'histoires écrites par Ursula Le Guin et je voulais aussi lire un recueil de nouvelles parce que j'aimerais écrire plus de nouvelles. Donc j'espérais m'inspirer d'une des meilleures autrices de SFF selon beaucoup de gens. Donc j'ai acheté Unlocking the Ark et j'ai aussi acheté le recueil Aux 12 vents du monde paru chez Belial. Je n'ai pas encore lu Aux 12 vents du monde, mais j'ai lu Unlocking the Ark et malheureusement ce recueil m'a un petit peu déçue. Donc ce recueil est paru pour la première fois dans les années 90. Il contient 17 nouvelles qui ont été écrites dans les années 80 et les années 90, même si très franchement en les lisant je les ai trouvées très actuelles. La plupart de ces nouvelles n'appartiennent pas aux littératures de l'imaginaire, donc ce sont des nouvelles très réalistes. Je dirais que parmi les 17 nouvelles, il n'y en a que 3 voire 4 qui appartiennent aux littératures de l'imaginaire. Ça, je ne m'y attendais pas. Je pensais que ce serait un recueil de science-fiction et de fantasy, donc j'ai été un petit peu déçue sur ce point. Alors le style d'écriture est très beau, très immersif, très poétique, mais c'est ce à quoi je m'attendais avec Ursula Le Guin. Chaque nouvelle peint un tableau saisissant qui a su m'emporter à chaque fois dans un univers différent et particulier, à chaque fois un univers en fait très particulier. Mais la plupart des textes m'ont semblé un peu nébuleux. Ils m'ont fait penser à des fragments, à des ébauches d'histoires, voire à des exercices d'écriture. Il y a plusieurs nouvelles que je ne pense pas avoir compris. Alors la première nouvelle, 4h30, est je pense la plus connue parce que j'en avais déjà entendu parler avant de la lire. C'est en fait un ensemble de plusieurs textes qui reprennent à chaque fois les mêmes personnages mais en les plaçant dans des positions différentes. Donc la mère dans un texte devient la sœur dans un autre texte, le père dans un texte devient le fils dans un autre texte. C'est intriguant. C'est bien écrit et les thèmes sont très intéressants, donc c'est des textes qui parlent de famille, maternité, d'homosexualité, de handicap. Et en fait c'est des textes qui, je dirais, exposent subtilement les infimes douleurs du quotidien, celles qui deviennent de grandes souffrances. Mais je n'ai pas trop accroché à la structure de cette nouvelle, le jeu avec les personnages qui changent de rôle en fonction de la mini-histoire, j'ai pas trop compris l'intérêt. Sinon, j'ai beaucoup aimé la nouvelle Les maisons du professeur, qui parle d'un professeur qui est obsédé par une maison de poupées qu'il a lui-même fabriquée. J'ai aussi bien aimé tenir ses positions.
l'émission, qui est une nouvelle coup de poing qui parle d'une jeune fille qui accompagne sa mère dans une clinique d'avortement, alors que celle-ci, donc la mère, pas la jeune fille, va se faire avorter suite à une agression sexuelle. C'est une nouvelle très dure, très triste, à laquelle je vais sans doute penser encore longtemps. Enfin, ma troisième nouvelle préférée est la dernière du recueil, Braconnier. Donc c'est une réécriture de conte assez particulière. J'ai su assez vite de quoi il en retournait pendant ma lecture, mais j'aime quand même l'idée derrière cette nouvelle, le concept de cette nouvelle, je le trouve très intéressant. Mention spéciale pour la nouvelle Saison Sèche, qui est très courte et qui parle d'un couple lesbien qui vit dans une ville située quelque part dans le désert américain. C'est la saison sèche, donc il y a des restrictions autour de l'utilisation de l'eau, donc les gens n'ont le droit d'utiliser l'eau qu'à des heures particulière de la journée. L'un des personnages de l'histoire ouvre son robinet et là il y a de l'eau de couleur rouge qui s'échappe de la tuyauterie. L'eau ressemble pas mal à du sang et je crois même que c'est du sang parce qu'à un moment dans le texte il est mention de caillot. C'est une nouvelle plutôt bizarre que je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé personnellement. Mais hormis ça, Unlocking the Air est un recueil de nouvelles qui ne m'a finalement pas beaucoup accroché, qui m'a même un petit peu déçue. Il y a trop de nouvelles dans ce recueil que j'ai pas vraiment compris. J'espère que le recueil Au 12 vents sera un petit peu plus intéressant. Nous avons maintenant fait le tour de tous les livres dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me parler de vos propres lectures dans les commentaires juste en dessous. J'espère que vous avez passé un super beau mois de janvier. Je vous souhaite de très belles lectures pendant le mois de février. On se retrouve très très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!